page 2, leçon 1. Un homme. Une femme. Un garçon. Une fille. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre. C'est une serviette. C'est un cahier. C'est une gomme. C'est un stylo. C'est une règle. C'est un crayon. C'est une table. C'est un banc. C'est une chaise. Est-ce un banc? Oui, c'est un banc. Est-ce un banc? Non, ce n'est pas un banc, c'est une table. Prononciation. Un homme. Un garçon. Une femme. Une fille. Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. C'est un banc. C'est une table. C'est une gomme. C'est une chaise. Est-ce un cahier? Non, ce n'est pas un cahier, c'est un crayon. Page 4. Leçon 2. Un livre. Des livres. Une chaise. Des chaises. Est-ce un livre? Ou est-ce que c'est un livre? Oui. C'est un livre. Est-ce que ce sont des livres? Oui, ce sont des livres. Est-ce que ce sont des cahiers? Non, ce ne sont pas des cahiers, ce sont des livres. Un mouchoir, un sac, un gant, une cravate, une horloge, une fenêtre, une porte, un plancher, un plafond, une lampe, un calendrier. Une plume. Un mur. Une montre. Une clé. Nombre. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prononciation. Est-ce que c'est? Ce sont? Ce ne sont pas. Des garçons. Des hommes. Deux hommes. Un mouchoir. Deux sacs. Trois horloges. Trois gants. Cinq murs. Cinq horloges. Six horloges. Six bancs. Sept bancs. Huit horloges. Huit calendriers. Neuf gants. Dix horloges. Dix fenêtres. Page 6. Leçon 3. Voici un crayon. Voici un livre. Maintenant, le crayon est sur le livre. Voici une gomme. Voici une serviette. Maintenant, la gomme est sur la serviette. Les crayons sont sur le livre. Les gommes sont sur la serviette. Où est le cahier? Le cahier est dans la serviette. Il est dans la serviette. Où est la règle? La règle est sous le livre. Elle est sous le livre. Où est le professeur? Il est devant le tableau. Où est le tableau? Il est derrière le professeur. Attention! Un étudiant. Une étudiante, l'étudiant, l'étudiante. Où est l'étudiante? Elle est dans la classe. Un oiseau, l'oiseau. Une horloge, l'horloge. Page 7. Prononciation. L'étudiant. L'étudiante. Les étudiants. L'homme. Les hommes. Le crayon. Où, sur, sous. Dans, devant, derrière. Page 8. Leçon 4. Le livre vert, la robe verte. Masculin, féminin, pluriel. Le livre est vert. La robe est verte. Le livre est gris. La robe est grise. Le livre est brun. La robe est brune. Le livre est noir. La robe est noire. Le livre est bleu. La robe est bleue. Les livres sont verts. Les robes sont vertes. Attention. Le livre est rouge. La robe est rouge. Le livre est jaune. La robe est jaune. Le livre est rose. La robe est rose. Le livre est blanc. La robe est blanche. De quelle couleur est la craie? La craie est blanche. Est-ce que la craie est verte? Non, la craie n'est pas verte, elle est blanche. Page 12. Leçon 5. Le verbe être. Les adjectifs. Suite. Je suis grand. Tu es petit. Oui, je suis petit. Monsieur, vous êtes petit. Madame, vous êtes petite. Mademoiselle, vous êtes petite. Il est petit. Elle est petite. Nous sommes petits. Oui, vous êtes petits. Ils sont petits. Elles sont petites. Le mur est haut. Le mur est bas. Le crayon est long. Le crayon est court. Le banc est large. Le banc est étroit. Le livre est épais, gros. Le livre est mince. Le calendrier est carré. Le calendrier est rond. Le calendrier est rectangulaire. Le couteau est pointu. Comment est le mur? Il est haut. Comment sont les murs? Ils sont hauts. Page 13. Prononciation. Je suis. Tu es. Il est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Monsieur. Mademoiselle. Haut. Haute. Long. Longue. Épais. Épaisse. Gros. Grosse. Rond. Ronde. Pointu. Pointu. Carré. Carré. Page 14. Leçon 6. Des chapeaux. Il y a. Y a-t-il. singulier, un tableau, un couteau, un oiseau, un chapeau, un manteau, un bateau. Pluriel, des tableaux, des couteaux, des oiseaux, des chapeaux, des manteaux, des bateaux. Un livre est sur la table, des livres sont sur la table. Il y a un livre sur la table, il y a des livres sur la table. Qu'y a-t-il sur la table? Sur la table, il y a un livre. Y a-t-il un cahier sur la table? Non, il n'y a pas de cahier sur la table. Y a-t-il des cahiers sur la table? Non, il n'y a pas de cahier sur la table. Combien de couteaux y a-t-il sur la table? Il y a 2 couteaux. Nombre. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 60, 61, 62, 70, 71. Page 14. Prononciation. Les tableaux sont noirs. Dans la classe, il y a 2 fenêtres. Y a-t-il? Qu'y a-t-il? Combien y a-t-il? 10 hommes. 11 hommes. 15 hommes. 18 hommes. 18 femmes. 20 étudiants. 22 étudiants. 50. 60. 70. Page 16, leçon 7. Je suis, je ne suis pas, suis-je. La matière. 1. Je suis grand, je ne suis pas petit. 2. Tu es grand. Tu n'es pas petit. Vous êtes grand. Vous n'êtes pas petit. 3. Il est grand. Il n'est pas petit. Elle est grande. Elle n'est pas petite. 1. Nous sommes grands. Nous ne sommes pas petits. 2. Vous êtes grands. Vous n'êtes pas petits. 3. Ils sont grands. Ils ne sont pas petits. Elles sont grandes. Elles ne sont pas petites. Le banc est lourd. Il est en bois. Le bois. Le cahier est léger. Il est en papier. Le papier. En quoi est l'encrier? Il est en verre. Le verre. En quoi est la clé? Elle est en fer. Le fer. En quoi est le mur? Il est en pierre. La pierre. En quoi est la robe? Elle est en étoffe. L'étoffe. En quoi est le soulier? Il est en cuir. Le cuir. Page 20, leçon 8. Le verbe avoir. Le corps. Voici un garçon. C'est Pierre Vincent. Il a une tête ronde. Voici la tête de Pierre Vincent. Il est fort. Il a 4 membres robustes. Voici le bras gauche et voici la jambe droite de Pierre. Il a deux mains et deux pieds solides. Voici la main gauche et le pied droit de pierre. Il a des doigts minces, un long cou, des coudes pointus, mais des genoux, un genou rond, des épaules carrées, un dos et une poitrine larges. J'ai deux mains. Tu as... Monsieur, madame, mademoiselle. Vous avez deux mains. Il, elle, a deux mains. Nous avons deux mains. Vous avez deux mains. Il, elle, ont deux mains. Verbe avoir. J'ai deux jambes. Ai-je deux jambes? Oui. Vous avez deux jambes. J'ai deux bras. Ai-je deux bras? Oui, vous avez deux bras. Le chien a quatre pattes. A-t-il quatre pattes? Oui, il a quatre pattes. L'oiseau a deux ailes. A-t-il deux ailes? Oui, il a deux ailes. Je n'ai pas de pattes, j'ai des jambes. Vous n'avez pas d'ailes, vous avez des bras. Est-ce que l'oiseau a une bouche? Non, l'oiseau n'a pas de bouche, il a un bec. Page 20, prononciation. J'ai. Tu as. Il a. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Elles ont. Le pied et la main ont cinq doigts. Le corps. La tête. Le bras, le dos, la poitrine, la jambe de Pierre Vincent, le chien, page 22, leçon 9, mon, ton, son, la tête. Singulier, masculin. J'ai un chapeau brun, mon chapeau est brun. Tu as un chapeau noir, ton chapeau est noir. Il, elle a un chapeau bleu, son chapeau est bleu. Singulier, féminin. J'ai une cravate brune. Ma cravate est brune. Tu as une cravate noire. Ta cravate est noire. Il, elle, a une cravate bleue. Sa cravate est bleue. Pluriel, masculin et féminin. J'ai des chapeaux bruns. Mes chapeaux sont bruns. J'ai des cravates brunes. Mes cravates sont brunes. Tu as des chapeaux noirs. Tes chapeaux sont noirs. Tu as des cravates noires. Tes cravates sont noires. Il, elle a des chapeaux bleus. Ses chapeaux sont bleus. Il, elle a des cravates bleues. Ses cravates sont bleues. Voici un portrait. C'est le visage de Pierre Vincent. Pierre a des cheveux noirs, un cheveu, un front haut, des yeux bruns, un œil, des sourcils et des cils épais, des oreilles larges, un nez pointu. Sa bouche est grande, ses lèvres sont rouges, ses dents sont blanches. Son menton est rond, ses joues sont roses. A-t-il une langue? Mais oui. Où est-elle? Elle est dans sa bouche. Pierre n'est ni beau ni laid. La petite Hélène, sa sœur, est blonde. Elle a de grands yeux. Ils sont bleus avec des cils noirs. Hélène est belle. Suite de la leçon 9, page 22. Avec les yeux, je vois. Tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, il voit. Verbe voir. Avec les oreilles, j'entends. Tu entends, il entend, nous entendons, vous entendez, ils entendent. Verbe entendre. Avec le nez, je sens. Tu sens, il sent, nous sentons, vous sentez, ils sentent. Verbe sentir. Page 22. Prononciation. Mon front. Mon oreille. Tes cheveux. Tes sourcils. Tes cils. Son œil. Ses yeux. Votre nez. Beau. Belle. Laid. Laide. Je vois. J'entends. Vous voyez. Je sens. Page 24, leçon 10. Notre, votre, leur. Verbe en ER. Je montre ma maison. Je montre ta maison. Je montre sa maison. Pluriel. Mes maisons, tes maisons, ses maisons. Je montre notre maison. Je montre votre maison. Je montre leur maison. Pluriel. Nos maisons, vos maisons, leurs maisons. Nombres ordinaux. Premier, deuxième, second, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième. Page 24. Prononciation. Notre maison. Vos maisons. Il ouvre. Vous entendez. Elle marche. Second. Page 28, leçon 11. Du, des, l'heure. Qu'est-ce que c'est? C'est une horloge. Elle est ronde. Elle a un cadran avec des chiffres et deux aiguilles. Les chiffres du cadran sont noirs. La petite aiguille est l'aiguille des heures. Une heure. La grande aiguille est l'aiguille des minutes. Une minute. La montre a une troisième aiguille pour les secondes. Une seconde. Une heure égale 60 minutes. Une minute égale 60 secondes. Quelle heure est-il? Il est 2 heures. Il est 5 heures. Il est 9 heures. Il est 2h05. Il est 5h moins 10. Il est 9h20. Il est 2h15. Il est 5h30. Il est 9h03 ou 10h moins le quart. Page 29. Prononciation. L'aiguille des secondes. Les chiffres du cadran. Il est 2h30. Il est 9h. Il est 5h20. Il est 00h15. Le matin. Le soir. L'après-midi. En avance. En retard. Page 30, leçon 12. Au. Le jour, le mois, l'année. Quel jour est-ce aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est jeudi, c'est le 1er mai. Aujourd'hui, 1er mai, le présent. Hier, 30 avril, le passé. Demain, 2 mai, le futur. Une semaine à 7 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi est le 1er jour de la semaine. Dimanche est le 7e, le dernier jour de la semaine. Un mois à 4 semaines. Une année, un an, à 12 mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Nous sommes au mois de mai ou en mai. Nombres ordinaux. 20e, 21e, 22e, 30e, 40e, 50e, 60e, 70e, 71e. 80e, 81e, 90e, 91e, 100e. Page 31. Prononciation. Le jour, le mois, l'année. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Aujourd'hui, 20e, 60e, 91e. Page 32, leçon 13. Verbe en IR. Les saisons. L'année a 4 saisons. La saison. Le printemps masculin, l'été masculin, l'automne masculin et féminin, l'hiver masculin. En Europe, le printemps commence le 21 mars et finit le 21 juin. L'été commence le 22 juin et finit le 22 septembre. L'automne commence le 23 septembre et finit le 21 décembre. L'hiver commence le 22 décembre et finit le 20 mars. Au printemps, le ciel est bleu, le soleil brille, il fait beau. Le temps est beau. Les arbres ont des feuilles vertes. Le printemps est la saison des fleurs. En été, quel temps fait-il? En été, il fait beau et il fait chaud. Chaud est le contraire de froid. Déjà, les fruits grossissent. Sont-ils bons? Non, pas encore. En automne, le ciel est gris. Il pleut. J'ai un parapluie. Il fait du vent. Les feuilles des arbres tombent. Quel temps fait-il en hiver? En hiver, il fait froid. La neige tombe et la terre est blanche. Je fais du feu dans la maison. Verbe faire. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Le maçon fait un mur. Les maçons font des murs. En été, il fait jour tôt. Il fait nuit tard. En hiver, il fait jour tard. Il fait nuit tôt. Page 33. Prononciation. Je finis. Nous finissons. Ils finissent. Il fait froid en hiver. Il fait chaud en été. Le printemps. L'automne. L'hiver. La feuille tombe. Il fait jour tôt. Il fait nuit tard. Page 34, leçon 14. Ce, 7. Les mesures. Féminin. L'âge. Masculin. Cette image représente la classe d'Hélène Vincent. Cette classe est grande et claire. Elle mesure 9 mètres de long, 7 mètres de large et 5 mètres de haut. Cette dame à droite est l'institutrice ou le professeur d'Hélène. C'est une Française. Son nom est Leblanc. Son prénom est Louise. Madame Leblanc n'est pas grande, elle a 1,60 m. Elle n'est pas mince, elle est grosse. Elle pèse 70 kilos. Quel âge a-t-elle? Elle a 30 ans. Elle est jeune. Le directeur de l'école a 70 ans. Il n'est pas jeune, il est vieux. Féminin, vieille. Page 35. Prononciation. Ce crayon. Cet oiseau. Cette dame. Cette horloge. Ces classes. Ces hommes. L'institutrice. Le maître. Je pèse. Vieux. Vieille. La longueur. La hauteur. La largeur. Page 42, leçon 15. La maison de Monsieur Vincent à Montréal, Canada. Voici un jardin et des fleurs. Dans le jardin, voici une maison blanche avec un toit rouge et une haute cheminée. Cette maison a un grenier, 2 étages, un rez-de-chaussée et une cave. Devant les fenêtres du premier étage, nous voyons un balcon. Où est le grenier? Il est sous le toit. Où est la cave? Elle est sous le rez-de-chaussée. Y a-t-il un garage pour l'auto? Oui, le garage est à droite. À gauche, voici un petit escalier. Il a 4 marches. Nous montons cet escalier. Sur la porte, nous voyons un nom, François Vincent. Monsieur Vincent habite avec sa famille dans cette maison. Je sonne. Nous attendons quelques minutes. Page 43. Prononciation. Montréal. La maison. Le toit. La cheminée. Le rez-de-chaussée. Le garage. Nous montons cet escalier. Monsieur Vincent. La famille. Nous attendons quelques minutes. Page 44, leçon 16. La famille Vincent. J'ai sonné. Nous avons attendu quelques minutes. Maintenant, un jeune garçon de 16 ans ouvre la porte. Vous avez vu son portrait à la leçon 9. C'est Pierre Vincent. Avec Pierre, voilà une petite fille blonde. C'est Hélène Vincent, elle a 7 ans. Puis, une dame arrive et dit « Bonjour, chers amis, je suis contente de votre visite. » Cette dame et Madame Vincent, la mère de Pierre et d'Hélène. Pierre est son fils, Hélène est sa fille. Pierre est le frère d'Hélène. Hélène est la sœur de Pierre. Le père des deux enfants, François Vincent, n'est pas à la maison aujourd'hui, il est journaliste. Monsieur Vincent a épousé une Américaine de New York, Mademoiselle Margaret Bell. Depuis 17 ans, elle est la femme de Monsieur Vincent. Et Monsieur Vincent est son mari. Les parents de Pierre et d'Hélène sont jeunes. Monsieur Vincent a 39 ans. Sa femme a 35 ans. Le père et la mère de Monsieur Vincent sont les grands-parents de Pierre et d'Hélène. Monsieur Vincent a aussi une sœur, Marie. Elle a épousé un Argentin, Miguel Sanchez, et elle habite à Buenos Aires. Monsieur et Madame Sanchez ont deux enfants, Anna et Roberto. 16e leçon, page 45. La famille Vincent, suite. Monsieur Thomas Vincent, le grand-père de Pierre et d'Hélène. Madame Thomas Vincent, la grand-mère de Pierre et d'Hélène. Pierre, le petit-fils de Monsieur et Madame Thomas Vincent. Hélène, la petite-fille de Monsieur et Madame Thomas Vincent. Monsieur Thomas Vincent, le beau-père de Madame François Vincent et de Monsieur Sanchez. Madame Thomas Vincent, la belle-mère de Madame François Vincent et de Monsieur Sanchez. Madame François Vincent, la belle-fille de Monsieur et Madame Thomas Vincent. Monsieur Sanchez, le gendre de Monsieur et Madame Thomas Vincent. Monsieur François Vincent, le beau-frère de Monsieur Sanchez. Madame Sanchez, la belle-sœur de Madame François Vincent. Monsieur Sanchez, l'oncle de Pierre et d'Hélène. Madame Sanchez, la tante de Pierre et d'Hélène. Pierre, le neveu de Monsieur et Madame Sanchez. Hélène, la nièce de Monsieur et Madame Sanchez. Roberto Sanchez, le cousin de Pierre et d'Hélène. Anna Sanchez, la cousine de Pierre et d'Hélène. Roberto, le neveu de Monsieur et Madame François Vincent. Anna, la nièce de Monsieur et Madame François Vincent. Page 46, leçon 17. Le salon, la salle à manger, la cuisine. Nous visitons la maison des Vincent. Au rez-de-chaussée, il y a deux grandes pièces. Le salon et la salle à manger. Voici le salon avec ses meubles, un divan, des fauteuils, des chaises, un piano. Près du piano, Monsieur Vincent a mis un poste de radio, un poste de télévision et un phono, avec des disques. Nous entrons ensuite dans la salle à manger. Cette grande pièce a deux larges fenêtres. La petite Hélène met le couvert. Elle prend dans le buffet des couteaux, des cuillères, des fourchettes. Sur la table, il y a une nappe blanche, des assiettes et des verres. Vous n'avez pas visité ma cuisine ? Dit Madame Vincent. C'est une belle cuisine blanche. Voici la cuisinière électrique, le réfrigérateur et les casseroles contre le mur. Au-dessus de l'évier, le robinet en cuivre brille comme de l'or. Page 47, prononciation. Le salon. Un divan. Un fauteuil. Un poste de radio. La salle à manger. Le couvert. Elle prend. Le buffet. Le couteau. La cuillère. La cuisine. Le réfrigérateur. La casserole. La cuisinière électrique. Page 48. Leçon 18. Les chambres, la salle de bain. Pour aller au premier étage, nous prenons l'escalier, car la maison n'a pas d'ascenseur. Combien de chambres ou de chambres à coucher avez-vous, madame? 2 au premier ou au premier étage, 2 au second. Voici ma chambre, dit la petite élève. Voici la chambre de mes parents. Pierre couche au second. Madame Vincent ajoute: au second, nous avons aussi une chambre d'amis. L'année dernière, nos amis Legrand sont arrivés de Paris. Ils ont passé 2 mois à la maison. La petite Hélène parle encore. Dans chaque chambre, il y a un grand lit, une armoire et une table de nuit. Et puis, nous avons le chauffage central. Et puis, voici la salle de bain avec la baignoire, le lavabo. Hélène, tu es trop bavarde, dit Madame Vincent. Nous sommes redescendus dans le salon. Où est Madame Vincent? Est-elle sortie? Elle est allée dans la salle à manger et elle revient avec une bouteille et des verres. C'est du vin de France. Ce vin est excellent. Nous remercions Madame Vincent et nous disons au revoir à nos amis. Page 49. Prononciation. L'ascenseur. Les chambres. Chaque chambre. Le second. Le lit. L'armoire. La table de nuit. Ils sont venus. La salle de bain. La baignoire. Le chauffage central. La bouteille. Ce vin est excellent. Nous remercions. Page 50, leçon 19. Les repas. Chaque matin, à 8 heures, Madame Vincent sert le petit déjeuner à son mari et à ses enfants. Elle boit du thé. Monsieur Vincent et les enfants boivent du café au lait. Et tous mangent du pain avec du beurre ou de la marmelade, des œufs et du jambon. Ce matin, 2 juillet, les Vincent ont pris leur petit déjeuner dans la salle à manger, puis M. Vincent est sorti à 8h30 et il n'est pas rentré à midi. Sa femme et ses enfants ont déjeuné ensemble. Ils ont mangé de la viande et des légumes. Au dessert, Madame Vincent a servi des fruits et des gâteaux. Tous les 3 ont bu de la bière. Les Vincent ne boivent pas de vin, sauf aux jours de fête. Puis, Pierre et sa mère ont pris du café avec du sucre. Il est maintenant 7 heures du soir. Madame Vincent a mis le couvert et elle prépare le dîner. À 8 heures, Monsieur Vincent n'est pas là. Les enfants ont faim. Madame Vincent sert le potage puis un poisson. Elle regarde l'horloge. Votre père est en retard. Pourquoi? Page 51, prononciation. Chaque matin, ils boivent du thé. Un œuf. Ils mangent des œufs et du jambon. Le déjeuner. La viande. Les gâteaux. Le beurre. La bière. Le dessert. La faim. Le dîner. Il est en retard. Pourquoi? Page 56, leçon 20. Une grande nouvelle. On sonne. C'est papa, dit Hélène. Et vite, elle ouvre la porte. Écoutez, mes enfants, j'apporte une grande nouvelle. Nous partirons dans un mois pour la France. Je serai correspondant de mon journal à Paris. Les enfants sont contents. Voyagerons-nous en avion ou en bateau? Demande Pierre. Visiterons-nous la Tour Eiffel et Notre-Dame? Et le petit chat? Dit Hélène. Partira-t-il aussi? Madame Vincent regarde son mari. François, vous avez faim, n'est-ce pas? À table, mes enfants, nous parlerons de ce grand voyage pendant le dîner. À table, M. Vincent dit à sa femme... J'ai visité beaucoup de grandes villes. J'ai été correspondant du Courrier de Montréal au Caire, à Lyon, à Londres. Je suis content de passer quelques années en France. Vous visiterez avec moi ce beau pays. C'est la vieille patrie de beaucoup de Canadiens. Page 57, prononciation. Je commencerai. Une grande nouvelle. Nous partirons. Je serai correspondant. Voyagerons-nous? Un bateau. Un avion. La Tour Eiffel. Notre-Dame. Le petit chat. La vieille patrie. Le pays. Page 58, leçon 21. Les vêtements d'homme. 20 juillet. Dans la chambre des parents, il y a deux grandes malles. Dans l'une, Madame Vincent placera les vêtements de son mari et de son fils. Dans l'autre, elle mettra ses vêtements et les habits de sa fille. Madame Vincent ouvre la première malle. Au fond, elle place les souliers et les pardessus, le pardessus, puis les complets, les vestons et les pantalons. Elle met ensuite l'habit de soirée de son mari, le costume de sport et la culotte de son fils, les chandails. Enfin, elle ajoute le linge, les pyjamas, les chemises et les chaussettes. Elle n'oublie rien, ni les cols, ni les bretelles, ni les cravates, ni les mouchoirs. Mais elle ne met pas les imperméables dans la malle, il pleut. Page 59, Prononciation. Les vêtements d'homme. Les affaires. Les souliers. Le par-dessus. Le veston. Le pantalon. Le sport. Le chandail. Le pyjama. La chemise. Le caleçon. Le mouchoir. Page 60. Leçon 22. Les vêtements de femme. Maintenant, Madame Vincent va remplir l'autre malle avec ses vêtements et les vêtements de sa fille. Elle dit à Hélène: je vais placer d'abord nos souliers et nos manteaux d'hiver. Tu vas apporter tes combinaisons et tes pyjamas. Bien. Au-dessus, nous allons placer nos robes d'hiver et d'été, ma robe du soir, nos jupes et nos blouses, nos ceintures, nos bas, nos gants, nos mouchoirs et nos écharpes. Et les chapeaux, maman? Dans cette boîte à chapeaux. Monsieur Vincent entre, il tient un coffret. Où mettrez-vous vos bijoux, ma chérie? Madame Vincent répond: je porterai mes bagues et mes boucles d'oreilles, mais je mettrai mon collier et mes bracelets dans mon sac de voyage. Monsieur Vincent ferme les malles. Elles sont lourdes. Elles contiennent beaucoup de choses. Page 61. Prononciation. Les vêtements de femme. Le soulier. La blouse. Le bas. Le gant. Une boîte à chapeau. Un coffret. Les bijoux. Une bague. Un bracelet. Les malles contiennent beaucoup de choses. Page 62. Leçon 23. Lettres et passeports. Margaret, dit M. Vincent, je viens d'écrire à nos amis de Paris, les Legrand, pour annoncer notre arrivée. Voici ma lettre. Madame Vincent prend la lettre et lit. Chers amis, je vous annonce une grande nouvelle. Dans 15 jours, nous serons près de vous. Je vais être correspondant du courrier de Montréal à Paris. Retenez 3 chambres à l'hôtel, s'il vous plaît. Nous serons contents de vous revoir, vous et vos enfants. Je télégraphierai le jour et l'heure de notre arrivée. À bientôt. Amicalement, François Vincent. Je vais porter cette lettre à la poste. Elle partira ce soir, par avion. Et les passeports? Demande Madame Vincent. Et les visas? Nous aurons les passeports demain, répond M. Vincent. Les visas ne sont pas nécessaires. Je viens de retenir nos cabines sur le paquebot Île-de-France. Tout va bien. Page 63. Prononciation. J'annonce mon arrivée. Dans 15 jours. Je télégraphierai. À bientôt. Amicalement. Le visa. Le passeport. Le paquebot. Page 64. Leçon 24. La toilette de M. Vincent. 25 juillet. Le grand jour, le jour du départ, est arrivé. M. Vincent se réveille à 6 heures. il se lève aussitôt. Puis, en pyjama, il entre dans la salle de bain. M. Vincent a pris son bain hier soir. Aujourd'hui, il fait vite sa toilette. Il prend le savon sur le lavabo. Il se savonne. Il se lave avec de l'eau froide. Il prend une serviette de toilette. Il s'essuie. Il est propre. Puis, il se rase avec son rasoir électrique. La brosse à dents et la pâte dentifrice maintenant. Ensuite, un coup de peigne. Il revient dans sa chambre. Là, il se chaussera et s'habillera, et pendant ce temps, Madame Vincent et les enfants feront leur toilette. Mais Madame Vincent va passer 1 heure dans la salle de bain. Du rouge sur les lèvres, du vernis sur les ongles, et puis un peu de poudre. Margaret, demande M. Vincent, avez-vous fini? Le train de New York part à 8h45. Nous allons être en retard. Page 65, prononciation. Le jour du départ. Il se réveille. Il se lève. La salle de bain. La toilette. Il se savonne. Il s'essuie. Le rasoir électrique. La pâte dentifrice. Un coup de peigne. Il se chausse. Il s'habille. Le rouge à lèvres. Le vernis à ongles. Page 66. Leçon 25. Le départ. Avant-hier, 24 juillet, M. et Mme Vincent ont fait leur dernière visite à leurs parents et à leurs amis. Ils n'ont oublié personne. Puis, Mme Vincent a donné les clés de la maison à ses beaux-parents. Ils viendront habiter chez leur fils et leur belle-fille. Hier, 25 juillet, la famille Vincent a pris le train pour New York. Et ce matin, 26 juillet, à 9h, elle s'est embarquée sur le paquebot Île-de-France. Maintenant, c'est le départ. 3 coups de sirène, le bateau lève l'ancre. Les passagers sont debout sur le pont et ils agitent leurs mouchoirs. Bientôt, ils ne voient plus les hautes maisons de la ville ni la statue de la liberté. Hélène est un peu triste. Pourquoi? Parce que le petit chat est resté à Montréal. Mais Pierre est content, il va visiter Paris, il va connaître la France. Quel beau voyage! Page 67, prononciation. Avant-hier. Ils viendront habiter. Hier. 9h. Elle s'est embarquée. Le paquebot. Le départ. Le bateau lève l'ancre. Le passager. La statue. Triste. Connaître. Quel beau voyage!